T'as vu Pierre Cameron Putain, c'est chaud, hein. Ouais, grave. À, c'est... à l'adolescence, des animaux morts. Qui fait ça, quoi? C'est vous, personne. Bienvenue dans le club épisode 33. Ouais. Tout ce qu'il faut savoir sur internet pour être cool et branché avec Pierre et Guillaume. Cette semaine, on va parler de drones, de chansons et de construction. Ouais. C'est parti. No, I don't wanna go. No. Je suis tombé cette semaine sur un mini-docu sur internet, Pierre, qui s'appelle Offline Dating et qui suit les aventures complètement folles d'un mec qui a une idée révolutionnaire, draguer des meufs dans la vraie vie. Le film est très touchant, Pierre, et montre une dure réalité, c'est beaucoup plus dur de se prendre un vent dans la vraie vie qu'un non-match sur Tinder. Et le mini-docu est hébergé sur un site qui s'appelle Short of the Week, les cours de la semaine, qui héberge tout un tas de courts-métrages de fiction ou documentaires. Kind of basically trying to find someone to go on a date with me and I didn't want to do it the kind of online way. Je l'ai déjà dit plein de fois ici, Pierre, mais je me répète, une des vraies victoires pour moi de la vidéo sur internet, c'est ces mini docus qu'on n'aurait jamais vu avant. Par exemple, ce site, on retrouve Growth, un docu sur l'enfance filmé avec des plans aériens de toute beauté. It's actually changing. Your body changes. You get bigger, your blood changes actually, and your mind actually changes. On a aussi les mouvements Nok Natane sur l'amour, la vieillesse et la danse. Et enfin Glory Days sur la jeunesse de New Orleans qui s'est relevée après Katrina. J'ai pas eu le temps de tout regarder, Pierre, mais la sélection a l'air vraiment cool. C'est ce qui manque un peu sur YouTube, je trouve, du court-métrage de qualité. Bon, alors la qualité de la sélection, elle est là parce que les mecs sélectionnent vraiment et ça coûte quand même 30$ de soumettre son film. Vous pouvez tout retrouver sur shortofdoweek.com, on met le lien en barre d'infos. Avec les drones, on a bien trop souvent l'image de machines liberticides, meurtrières qui vont nous la mettre à l'envers, genre Skylab style. Oh, pas Skylab style. Exactement, Guillaume. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que les drones sont nos amis. Par exemple, à l'université ETH de Zurich, un chercheur et son équipe a réussi à développer une équipe de drones synchronisés pouvant construire des structures viables pour l'homme, comme par exemple avec ce pont. C'est un peu comme une espèce d'imprimante 3D. Mais au-delà de ce progrès considérable, le drone est aussi là pour nos loisirs. Comme par exemple pour aller à la pêche. Le drone sert aussi à réaliser ses rêves, comme par exemple avec cet Anglais qui s'est construit un véritable petit hélicoptère. Par contre, il vous faudra 54 rotors et la durée de vie c'est à peu près 10 minutes. Mais le vrai bail, Guillaume, c'est quoi? C'est tout le délire sportif autour des drones. Comme ces espèces de courses de type Wipeout Fusion, Star Wars Pod. Et Cocorico, c'est en France que cette discipline a été inventée. Donc voilà, fuck les drones sceptiques. J'ai découvert une chaîne YouTube, Pierre, d'une chanteuse plus productive que Pharrell en 2014. Alors je sais, Pierre, quand je t'ai montré ça, tu m'as dit « Oui, Guillaume, c'est bien, mais j'aimerais que tu m'en montres plus de clips pourris, j'en veux !» Eh bien, Pierre, sache que rien ne m'arrête, et voici ma sélection de clips pourris, de montage bancal et de sons pas ouf. Ah oui, j'en veux. Detroit, sloppy, get ready to swallow. Alors ça c'était la version misogyne, il y a une version fragile. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. La version sexy. Ou encore la version ghetto molle.
always in the big things and shit. It was getting wicked and shit. Alors voilà Pierre, j'espère que t'es content de cette sélection, mais sache que pour la plupart de ces artistes c'était des one shot et ça n'arrive pas à la cheville d'Ivana qui elle produit ce genre de son au kilomètre avec un clip tous les mois. Oh, tu peux bouder Pierre, mais qui mieux qu'Ivana saurait se mettre dans une bouteille en verre pour le morceau Chips in a Bottle. Where did it all go? Push came to show. Alors je suis désolé Pierre, mais si t'aimes les incrustations sur fond vert et la musique, tu peux pas me dire que c'est pas la chanteuse de cette rentrée. Et en plus regarde, quand elle fait un crowdfunding, on voit ses fans, sa fanbase, c'est que des vieux mecs un peu chelous, donc c'est quand même bien la preuve qu'elle est là que pour la musique. This video is from a long time friend, Ivana van der Veen. She is so incredible. Sale temps pour les inventeurs IBM. Oh oui. On a pu le voir avec Ahmed Mohamed qui a voulu apporter son invention à l'école mais s'est vu arrêté comme un terroriste. Plutôt choquant et rigolo quand on voit ce qui se passe dans le pays. M'en parle pas Pierre. Bref, il s'agissait d'une simple horloge mais le petit Ahmed nous aurait un petit peu feinté. Parce que c'était vraiment pas une bombe mais je crois que c'était vraiment pas une invention non plus. Attends, tu voudrais dire, Pierre, qu'il a pas vraiment créé cette horloge, qu'il en a juste démonté une pour la remonter dans un autre truc? Exactement, Guillaume. Donc Mark Zuckerberg, le MIT, se sont peut-être un peu trop pressés. Mais bref, tout ça pour vous parler d'inventeurs internet cool. Et aujourd'hui, je vais vous parler de I Like To Make Stuff, un papa ingénieur, ex-ingénieur de Dell, qui construit des choses vraiment cool et branchées. Hey, I'm Bob, and I like to make stuff. Today, we're gonna make a Nerf gun. Look way cooler. Today I'm going to show you how to make this 4-in-a-row game. Today we're going to make a ring light for a GoPro. Today me and my kids are going to show you how to make a bubble flute with a banana. Donc voilà, tout ça c'est très pop, mais l'inventeur le plus zinzin du web, c'est lui. Il nous vient du Royaume-Uni et s'appelle Colin Firth. Et avec lui, vous pouvez apprendre à devenir un X-Men, conduire une moto cheval, ou encore faire un barbecue avec un moteur à réaction, ce qui est plutôt intéressant en soi, mais son plus gros projet a été de créer les plus grosses fesses au monde pour pouvoir péter sur la France. Bravo. Bon ben voilà Pierre, c'est la fin de cet épisode. Ah oui, non, oh bah ben non, bah toutes les infos sont en barre d'infos. Si tu veux aller sur Facebook, si tu suis sur Twitter, Si tu veux commenter qu'il y a vachement de bruit, si tu veux nous liker, n'hésite pas. Et on va se quitter avec Conjuring, l'ami Conjuring qui a plus besoin de notre coup de pouce, mais nous on aime bien. Et qui sort un type qui s'appelle Je t'aime. Je t'aime, j'ai bu mais je t'aime. Demain rien ne sera plus pareil. Prête à monter en voiture, attache ta ceinture. S'il te plaît, mens à ton père. Ce soir je t'emmène en enfer, je te promets. Je roule pas vite, j'ai bu que du gin tonic. Fais-moi confiance, je maîtrise la vitesse et gourmandise. J'espère que t'as fait ta valise. Je roule jusqu'à Venise, je t'aime. J'ai bu mais je t'aime. Demain rien ne sera plus pareil.